Mesdames et messieurs, petits et grands, ce fut un immense honneur pour nous de vous accueillir ce soir. Tous nos artistes, jongleurs, dresseurs, acrobates, clowns et moi-même vous remercions et vous souhaitons une excellente soirée. Yo! Il est chaud déjà. Welcome everybody, ladies and gentlemen, welcome to the new sequence. Yeah. The new game. Remaster. Remaster. Yeah. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. C'est Pierre-Louis et Julien et aujourd'hui on va vous présenter un petit jeu de cartes vraiment très sympa. Il s'agit de Ringmaster. On est parti pour parler de Ringmaster. Faut qu'on démarre, t'es ouf, t'es... Ah Ringmaster. Ringmaster. C'est parti. Ringmaster. C'est parti. Ringmaster est le tout nouveau jeu de cartes de chez Yellow. Un petit jeu de cartes dynamique pour 2 à 4 joueurs et c'est un jeu de Justin Gary. Exactement, vous allez jouer des parties qui vont durer environ 10 minutes. C'est un petit jeu de cartes très rapide qui se joue avec tous vos amis, votre famille, ça s'adresse à tout le monde, on va vous parler de ça parce que c'est vraiment très sympa. Ringmaster, le principe du jeu, c'est que vous allez incarner un monsieur loyal ou une madame loyale, c'est-à-dire un directeur de cirque, et votre but, ça va être de développer au mieux votre cirque. Ouais, c'est ça, vous allez devoir construire votre cirque au fur et à mesure de la partie. Dans Ringmaster, vous allez avoir 3 cartes en main en début de partie et une pioche qui est commune à tous les joueurs. Le jeu est quand même très minimaliste, il est constitué uniquement de 34 cartes dans tout le paquet. C'était dur à dire ça. Oui, 34 cartes. Dans tout le paquet. Ouh, vous allez avoir différents types de cartes qui composent le jeu Ringmaster. Vous allez avoir des cartes attractions, et oui, qui vont vous servir eh bien, à compléter votre cirque en attractions. Plus vous avez d'attractions, plus vous avez un beau cirque. Vous allez aussi avoir des cartes spectacles. Ces cartes-là, vous allez pouvoir les positionner devant vous. Pour ajouter des spectacles à votre cirque. Pour ajouter des spectacles à votre cirque. Après les attractions, il faut les numéros. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, il y a aussi des cartes événements. Des cartes événements. Ces cartes-là, vous allez directement les défausser. Maintenant, vous savez que vous avez potentiellement 3 manières de jouer des cartes. Vous allez pouvoir les jouer chez vos adversaires, devant vous, ou les défausser directement et activer leur pouvoir. C'est ça, parce que c'est un jeu avec une interaction énorme entre les joueurs. C'est le cœur même du jeu, l'interaction entre les joueurs. Vous allez pouvoir mettre des bâtons dans les roues à tous vos adversaires. Vous allez pouvoir vous donner des bonus. C'est vraiment rempli d'interactions, de coups bas, de petits coups, de filouterie, on adore. Le dernier type de cartes que vous allez pouvoir jouer, ce sont des cartes vedettes. Des cartes que vous allez pouvoir justement laisser devant vous et activer une fois que vous avez déjà joué une carte. Ringmaster, c'est un jeu qui se joue très simplement puisque lors de votre tour de jeu, vous allez piocher une carte de la pioche commune et en jouer une de votre main. Vous allez pouvoir jouer des cartes directement dans votre zone de jeu et vous allez pouvoir avoir des cartes qui interagissent avec les zones eh bien, de vos adversaires. Vous allez pouvoir leur retirer des attractions, leur retirer des spectacles, vous allez pouvoir les embêter au maximum. A savoir que chaque carte est présente en un seul exemplaire dans le jeu, elles ont toutes des effets différents, mis à part les attractions qu'on peut retrouver plusieurs fois. Comment on gagne? Comment on gagne dans Ringmaster? Comment on gagne dans Ringmaster? On a 3 manières différentes de gagner dans Ringmaster. Vous allez avoir la première manière qui est la plus commune, on va dire, c'est celle de construire le plus beau cirque. Donc il va falloir que vous ayez 5 attractions en face de vous, en plus du chapiteau. Exactement, il faut absolument que vous ayez un chapiteau. Vous pouvez avoir aussi beaucoup de spectacles. Mais pour avoir beaucoup de spectacles, c'est quand même assez galère. Il vous en faudra au moins 3 et une tente qui est une attraction pour justement donner lieu à vos spectacles. Exactement. Et l'autre manière de remporter la victoire, c'est de collectionner les 3 cirques à 3 pistes. Ça fait 9 pistes. Et ça fait un grand cirque. Lors d'un tour d'un joueur, s'il remplit l'une de ces 3 conditions, il est immédiatement déclaré le vainqueur. C'est simple, c'est très efficace, ça marche très bien. Ringmaster, c'est un petit jeu en soirée qui est vraiment très cool. Ce qu'on peut lui trouver déjà de génial, c'est l'explication. Au niveau de la règle, vous avez vraiment la simplicité de piocher une carte, jouer une carte, avoir un maximum d'interaction, et finalement ce système de collection qui va vous permettre de l'emporter. C'est ça, en plus tout est inscrit sur les cartes, les effets qu'elles font sont inscrits sur les cartes, donc vous ne serez jamais perdu dans la partie. Donc vous allez pouvoir enchaîner, faire vos tours de jeu, embêter les autres joueurs, vous faire des petits bonus, vous allez tout comprendre dès les premiers tours de jeu, donc c'est parfait. Thématiquement, c'est vraiment agréable aussi d'avoir une thématique qui change complètement de ce qu'on voit d'habitude. Et là, le cirque, bah, nous, on est nos yeux d'enfant, âme d'enfant, ah ouais. Avoir un jongleur, un petit monsieur loyal, ça parce que ça nous donne envie. Le thème colle très très bien aux mécaniques du jeu, c'est vraiment très bien fichu, et en plus, il faut le dire, c'est quand même très très beau. C'est très très beau. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est l'efficacité du packaging. On se retrouve avec un petit sac en tissu, il est emportable partout, le format des cartes est hyper agréable, la règle est simple et bien écrite, c'est du tout bon. Ringmaster, c'est une petite pioche de chez Yellow, une petite nouveauté que l'on peut que vous conseiller parce que c'est vraiment cool. Ça nous a beaucoup surpris par son efficacité au niveau de la règle, parce que évidemment, lorsque vous avez un jeu qui a une règle relativement simple, au moment où vous démarrez, vous vous dites est-ce qu'il y aura quelque chose derrière? Et là, c'est ça qui est important. Il y a énormément d'interactions qui va vous permettre de faire votre petite stratégie légère, stratégie quand même. Oui, c'est ça. C'est pas un jeu dans lequel vous allez vous faire des amis. Hein. Clairement pas. À la fin de la partie, vous allez vous engueuler. C'est sûr même. Mais c'est ça qui fait plaisir, c'est d'avoir ce genre de jeu en format de poche, emmenable partout, comme tu l'as dit, au format du petit pochon de Love Letter que tout le monde connaît. Il y a la petite inspiration Love Letter, c'est la même couleur du pochon, yellow. Vous auriez pas pu le faire vert? Moi j'ai été très surpris par Ringmaster, c'est un jeu que j'attendais. Dès que j'ai vu les premières illustrations, les premières mécaniques, je me suis dit je pense que ça va être vraiment pas mal, c'est un jeu que j'attends. Et quand on l'a reçu par nos amis Yellow, ah bah j'étais conquis. Moi aussi je le trouve très très beau et c'est ce que je vais retenir de plus pour le jeu, c'est que avant même d'y jouer, déjà vous êtes dans l'univers et ça c'est hyper agréable. Je pense que vous avez compris les tenants et les aboutissants du jeu Ringmaster et surtout ce qu'on en a pensé. Et ce qu'on en a pensé, c'est le plus important, un petit jeu qui se transporte partout, qui est très très bon avec des mécaniques assez stratégiques dans lequel vous allez poutrer tout le monde, poutrer la tronche, je l'ai pas dit ça. Et qui marchera même à deux. Et qui fonctionne à deux en plus de ça. Et oui, parce que vous allez pouvoir jouer à plein de joueurs, tendu. Mais à deux ça marche. C'est tendu. Et c'est tendu, parce que là, les coups bas, c'est à chaque tour là. Là, ça s'en met plein la tronche. Bref, on adore. Ringmaster. De chez Yellow. Est-ce que vous êtes prêts à dompter ce jeu? Oh, bien ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est beau. J'essaye de faire des petites... Ouais, J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça aura été rapide comme vidéo. Mais c'est bien, dis donc. Bah, en même temps, c'est un petit jeu de cartes avec des règles accessibles. Il faut que ce soit efficace, il faut que ça roule. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à des milliers de gens, à vous abonner à des milliers de gens, ça fait beaucoup. À 2-3 personnes autour de vous, pourquoi pas, soyons fous, soyons fous. Abonnez-vous, vos amis, surtout à cette chaîne. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous attendez ce jeu et ce que vous en avez pensé. De notre côté, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. On se dit à la prochaine. Et bien évidemment, jouez bien, jouez malin. Ciao.